Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus. Bénissez la gloire de Dieu. Je crois que vous avez aimé. Akanisete osepelaki. C'était formidable. Ezalaki bendabika. Vous avez eu des grands prédicateurs qui sont passés ici. Ozui batei minene obaleki awa. Nous remercions le Seigneur. Toto Nicolo pona yango. Levez-vous s'il vous plaît. Botez les mains. Ouvrez vos Bibles dans Lévitique. Fungola Biblia na yo kadna mokanda na Lévitico 23. Tuku mi balena misato. Pour le message du lever du soleil. Bona sango yakolamuka na moi. Nous lirons depuis le verset 9. Tokobanda na nzela ya libwa. Jusqu'au verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Yahweh alobela ki Mose ete lobela batona Israele ete wana ekokoma bino na mokili moko pesa ngai bino mpe ekobuka bino mbuma bokuya na liboke na mbuma na liboso epai na nganga Nzambe. Il agitera d'un côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera d'un côté et d'autre le lendemain du sabbat. Yepe akoningisa liboke ango liboso na Yahweh ete bino boye bakuyambama nganga Nzambe. Akoningisa yango na mokolo na sima na sabata nga momoko pe na nga momosusu. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Tika ete nkolo abakisa mapa mone na botangi liloba na ye. Veuillez vous asseoir. Bokoki kofanda. La gerbe agitée. Mbuma na liboso. Oyo eningisa mi liboso na Yahweh. C'est le sujet de cette petite, de ce petit enseignement. Yamone moto na litia na mama la kisimoke oyo. La gerbe ou prémisse liboke oyo tombuma na liboso était le premier fruit mûr. Qu'on donnait au sacrificateur. Ezalaki mbuma na liboso ezalaki kotela na elanga. Obazaki komeme pa na nganga Nzambe. Et il agitait de côté et d'autre. Ye azalaki koningisa yango kopepanga momoko penga momosusu. Je voudrais vraiment être sûr que vous comprenez.
Nalingi pensa kondimisama kad nangai moko ete boza kososo la likamboyo. Le premier fruit qui a atteint la maturité. Mbuma na liboso oyo ekomelito etelikat na elanga. Qui a mûri oyo eteli. On l'a mené vers le sacrificateur. Bazalaki komema yango epai na nganga Nzambe. Pendant la fête des prémices des pains sans levain. Ezaki na tango na elambo na mbuma na liboso o ezangi mfulu. Et le sacrificateur l'a jeté de côté d'autre. Pe nganga Nzambe azali koningisa yango ngambo moko na ngambo mosusu. Devant l'Éternel. Liboso na Yahweh. Disant à l'Éternel, Nakolobana Yahweh ete, il y a encore d'autres fruits qui vont venir. Ete mbuma mosusu etika nelanga ekote la pe lokola. Mais ça c'est le premier fruit mûr. Kasi oyo ezali mbuma na liboso oyo eteli. Cela montre que d'autres fruits viendront. Yango ezali kota lisete bambuma mosusu pe ekuya. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça polele? Lisons le prophète. Totanga mosakoli. Paragraphe 84, c'est le lever du soleil. Eteni na sango tukumwa benamine ezali kolamuka na moyi. La gerbe, la première de la semence. Liboke na mbuma, mbuma na liboso kad na oyo kona maki. Que vous aviez planté. Oyo konaki. Quand elle aura poussé. Tango yango ekobota. Et qu'elle aura mûri. Et pe tango yango ekotela. Coupez cette gerbe et apportez-la au sacrificateur. Kata liboke na mbuma wana pe mema yango epai na nganga Nzambe. Et qu'il la prenne et la jette de côté et d'autre devant l'Éternel. Ye a kamata yango pe aningisa yango ngambo moko pe mosusu liboso na Yahweh. Pour que vous soyez agréé. Po ete oyeba koyamba na Yahweh. Pour que vous soyez accepté. Po ete oyeba kondimama. Et alors vous êtes venu avec votre gerbe. Nde bongo okuya na liboke na mbuma na yo. Et il doit l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Ye akope pa yango ngambo moko pe mosusu liboso na Yahweh. La gerbe qu'on agite, mbuma na liboso bazali koningisa, pour montrer que Seigneur merci. Pona koyeba kolobe pa ina nkolo ete topesi yo matondi. Voici ce que nous avions planté. Dans cette moisson, la première gerbe qui a mûri. Tala mbanona oyo tolona ki katina kobuka mbuma oyo. Yaliboso eteli yangoyi. Amen. Amen. Ça signifie aussi, elingi pe koloba, Seigneur fait que d'autres gerbes puissent venir. Kolo, sala ete bambuma mosusu etikali pe ekoka kotela. Si vous avez compris, dites Amen. Ceux qui ont soit le bas, Amen. Là, c'est dans ce qui est normal. Maintenant, nous allons parler non pas de ce qui est naturel, mais nous allons parler du type spirituel. Wana tolobeli na oyesalem esamaka na momesano mpona baloni bato na bilanga. Mais sikoyo tokolobela yango na ngambo ya molimo. Là encore, c'est le prophète William Branham. Mosakoli Branham ekaka moto aza koloba. Au paragraphe 82. Nete na sango tuku mwambe na mibale. Maintenant, nous parlons du naturel ici. Ça c'est bien. Touti koloba na tina na oyo ya nzoto. Pour montrer en type le spirituel. Mpona kotalisa oyezali kotalema na molimo. Le spirituel c'est quoi? Ya molimo ezali nini?
Dieu, dans sa première moisson, Nzambeka nakobuka na ye yambuma liboso, le premier fruit qui avait atteint la maturité, c'est qui? Jésus. Mbuma na liboso oye telaki ezaki nani? Ezalaki Yesu. C'est pour cela Jésus était agité. Yango ana Yesu apepa maki ngambo na ngambo. Pourquoi? Bonanini. Parce que Jésus est prémisse. Po Yesu azali mbuma ya liboso. Le premier qui a atteint la maturité. Mbuma na liboso oyo ekomelaki. Le premier fruit qui a mûri. Mbuma na liboso oyo etelaki. C'est pour cela qu'il fut agité. Yango ana aningisa makito apeba maki. Pour montrer que d'autres fruits viendront. Bona kota lisete bambuma mosusu pe ekoya na sima. D'autres fruits spirituels viendront. Ete bambuma mosusu ya molimo pe ekoya. Si vous avez compris, dites amen. Soki ososoli loba amen. Ah Jésus. Oh Jésus. Je crois que ce n'est pas tellement difficile. Aujourd'hui, vous comprenez parce que je vais simplifier cela. Je veux dire exactement ce que Frère Branham dit. Amen. 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 Écoutez. Yoka. Jésus. Yes. Au paragraphe 88, Frère Branham dit. Jésus. Il était les prémices de ceux qui s'étaient endormis. Azalaki mbuma ya liboso kana ba onyonso balalaki. Nous biso endormis balalaki. Amen. Amen. Nous on attendait biso tozaki kozela pour atteindre aussi la maturité. Potoko mape na kokomela. Il était le premier de ceux qui s'étaient endormis. Azalaki mbuma na liboso na ba oyo basilaki kolala. Les prémices. Mbuma na liboso. Il était cette gerbe. Azalaki liboke wana. Vous voyez? Bomoni yango. Et Jésus devait être amené devant. Pe Yesu esengalaki ba mema ye liboso na bato de Dieu, liboso na Nzambe, et l'agiter. Pe ba ningisa ye. Agiter quoi? Koningisa nini? Sa vie. Bomoi na ye. Sa maturité. Kokomela na ye. Vous comprenez? Est-ce que vous allez consommer cela? La puissance qu'il avait. Nguya, oya zalaki na yango. C'était un homme Dieu. Azalaki moto Nzambe. Cela signifie que d'autres vont venir. Elingi kolobete ba mosusu pe bakoya lokola ye. Paragraphe 89. Etena sango tukuma bena liboa. Voilà pourquoi il fallait qu'ils agitent de côté et d'autre cette gerbe. Qui? Jésus. Talatina oyo esengala kiete bako akoningisa ngamo moko pe na mosusu liboke na mbuma wana ezalaki nani? Ezalaki Yesu. Parce que c'était la première qui était venue à maturité. Azalaki mbuma na liboso oyo ekomelaki na elanga. Et elle était agitée de côté et d'autre. Mpe bapepaki yango ngambo moko na ngambo mosusu. Ça commence à devenir un peu clair. Et bandi okomo mo polele. Écoutez-moi bien. Landanga imalamu. Pour rendre grâce à qui? À Dieu. Pona kozongisa matondi na nani? Epai na Nzambe. En croyant que
na elikia tona kondima ete. Les autres viendraient aussi. Ete bamosu supe bakoya. Les autres là qui devraient venir après Jésus, c'est qui? Bamosu swana. Oba sengale koya simana Yesu za banani. Et ils devraient être eux aussi agités. Pe bango pe. Parce qu'ils sont exactement comme Jésus. Jésus n'avait pas seulement la parole. Yesu, azalaki kaka na liloba pamba te. Il était la parole. Azalaki liloba. Il avait aussi la puissance. Azalaki pe na nguya. Il avait la mécanique. Azalakina esaleli. Il avait aussi la dynamique. Azalaki pena lo toto na moto tonguya. Qui démontrait que cette personne est mûre. Oye azalaki kotali sete mobali oyo akoki akomeli. Il a la maturité. Akomeli penza koli. Il est mûr. Akomeli ateli. Alors Dieu va l'agiter. Ndesika nzambe akoningisa ye. C'est ça. Eza bongo. Jésus était agité de côté et d'autre. Yesu apepamaki ngamo moko na ngamo mosusu. En commémoration. On a kokundola pour rendre grâce à Dieu en croyant que les autres viendraient aussi. Nakoli qui a été basusu pe bakoya. Et Jésus était un signe. Pe Yesu azalaki elembo. Levé du soleil, paragraphe 89. Kola mukana mwese edena sango tukuma mbena libwa. Ah Jésus, ça commence à devenir un peu plus clair. Après Jésus, Simana Yesu, d'autres fruits, Bambu Mamosusu, seront bénis, Eko Pambouama, vont mûrir, Eko Tela. Vous croyez à cela? Est-ce que Bino Bondimi Ango? C'est le prophète qui a dit ça. Mosa Kolinda Lubi Ango. Et moi je crois au prophète William. Gaina Ndimeraka Mosa Kol William Branham. Et ils seront aussi agités. Et bangope bakoningisama. Prenons l'exemple des apôtres. Tozwa ndakisa na bantoma. Les apôtres bantoma. Quand ils étaient à la chambre haute. Tango bazalaki nete na ndaku ya likolo. Qu'est-ce qui s'était passé? Eloko nini esalemaki? Le même Jésus, le même Dieu, yes, est venu sur eux dans la forme d'une colonne de feu. Yesu moko wana, nzambe moko wana, ayaki liko na bango na lolenge ya likondi na moto. C'est vrai, ya solo, qui s'est divisé, ami kabolaki, entré en eux. A côté na kad na bango. Et Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi, il a été agité de côté et d'autre. Paragraphe 91. Et dans la sanctuary bona moko était aningisa makinga momoko na mosusu. Le jour de la Pentecôte. Na mokolo na kitela. Lorsqu'il vint du ciel. Tango a utaki na likolo. Un bruit comme une agitation. Et utaki na likolo lokito moko ya koningis. Comme un vent impétueux. Loko a mopepe moko ya makasi. Et il a été agité de côté et d'autre dessus des gens. Pe aningizamaki nga momoko na mosu likolo na bato. Des gens de la Pentecôte. Bato na eleko oya nkitela. Il était là. Alagi wana. À la Pentecôte. Na nkitela. Ils avaient vu cette bénédiction. Bango, bamona ki ni pamboli wana. Et ils avaient dit, comment ces gens qui ne nous connaissent pas, ils parlent dans leur
dans nos langues maternelles. C'est quoi? Dieu a eu là à la Pentecôte 120 personnes. Azwa ki kuna na tango na kitela batomokama na tukumi balé mu ba oyo ba bonga kito basi ba komela ki rempli du Saint Esprit bato batondi samaki na molimo santo rempli de la puissance de Dieu bato batondi samaki na nguya na nzambe. Et ils étaient agités devant tous ces gens qui étaient venus du monde entier. Amen. Pour moi, c'était d'autres fruits qui avaient atteint la maturité. Quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que mon Dieu m'a amené à ça? Oh Seigneur, c'est facile, non? Ils allaient péter. Moi, je trouve ça facile. Et Saint Paul dit, Père Santo Paul à l'obi, nous aussi, Bisope Lokola, nous avons les prémices de l'esprit. Tozalina Mbuma Bambuma Namolimo. Amen. Il présente même la famille de Stéphanas. Ali Kota Lisata Libota Stéphanas. C'est dans Romains chapitre 16. C'est ça. Nabaloma Mokapo, Jobina Motoba. Romains chapitre 16. Verset 15. De la zone Mitano. Moi j'aime ça. Vous savez, le message de Frère Banam. C'est un message rempli de mystère. Ça aussi est un mystère. Amen. Romains 16. Baloma Mokapoya, Zomina Motoba. Verset 15. Zela ya Zomina Mitano. Dit ceci. Et le bébé. Ah bon, c'est 5, hein? 5. Saluez Épianette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Alors bien été Pesa Épianette Moninga Minangai Oyo Azalaki Mbumana Libosona Asia Pona Kilisto. Amen. Amen. Donc Paul a fait un travail en Asie. Et Nicolbete Paulo Asaki Mosakona Nasia. Et il était sûr des prémices. Pe ayeba ki malamu ete bambuma etela ki kuna. Il le savait. Ayeba ki yango. Oh là là. 1 Corinthiens 16. Ba Kolinti ya liboso mokabazomi na motoba. Verset 15. Zela zomi na mitano. Vous pouvez lire avec moi. Encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas est le prémisse de l'Achaïe. Ah. Paul a travaillé pour la salle qui m'en salle et il appelle ces gens-là les prémices. Pe abengi batoa nete bazali mbuma ya liboso. C'est qu'ils avaient le Saint-Esprit. Elingi komete bazaki na molimo santo. Ils étaient remplis d'une vie vraiment comme Jésus. Batondi samaki na bomo ipenza lokola ya Yesu. Ils avaient la puissance de Dieu. Bazalaki na nguya na nzambe.
Ils étaient des prémices. Bazalaki bambumana liboso. Donc Jésus a été agité. Et Yesu aningisa maki. Et ces gens-là en tant que prémices. Peba toi na loko mbumana liboso. Spirituellement, ils sont aussi agités. Nandenga moli mope bazali koningisa ma. Les gens les voient. Bato bazomo na bango. Quelqu'un est mort, vous l'amenez chez Stéphanas, il va ressusciter. Attends, moto akufi, omemi e pa ya Stéphanas, moto na ko se kwa. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça polele? Et dans Jacques chapitre 1 verset 18. Na kabo yakobo mokabo liboso nzela zomina mambe. Il nous a engendrés par la parole. Abotibiso na liloba. Afin que nous soyons quoi? Pobiso toza banani. Les prémices. Toza la mbuma ya liboso. De ces créatures. Kati na bikela munayi. Jacques chapitre 1 verset 18. Yakobo mokapo liboso nzela zomi na mwambe. Il nous a engendrés selon sa volonté. Ye a botibiso engebene na mokano na yi. Donc nous sommes sa moisson. Elingi kobete tozali mbuma na ye o ezali kobukana. Il nous a engendrés par sa volonté, par la parole de la vérité. Abotibiso na mokano na ye na liloba na ye ya solo. Afin que nous soyons quoi? Pobiso tozala banani. En quelque sorte les prémices de ces créatures. Na lolenge moko boye mbuma na liboso kana bikela muna ye. C'est un truc comme ça chez vous? Et comment mbongo pa na bino? Normalement, na kotala malamu. Vous devriez avoir la puissance de Dieu. Bino bosengeli kozana ngwa na nzambe. Parce que vous êtes né de la parole de Dieu. Pobino bobotami na liloba na nzambe. Vous pouvez dire amen. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu. L'iloba na nzambe ezali nzambe. Quand la parole de Dieu engendre quelqu'un, tango l'iloba na nzambe eboti moto. Mais il est un petit Dieu. Mais moto wana ezali nzambe ya moke. Quand il atteint la maturité, tango ezali kokola to kokomela, il devient une prémisse. Azali kokoma mbuma ya liboso. Amen. Amen. Et il doit être agité. Pe asengeli kotalisa matoko ningi sama. Et ça plaît à Dieu. Et pe nzambe asepela kabongo. Il nous a engendrés par la parole. Abotibiso na liloba na ye. Afin que nous soyons les prémices. Pwete biso toza la mbuma na liboso de ces créatures. Kati na bikela muna ye. Prenons Apocalypse 14. Toka mata emoniseli zomi na mine. Apocalypse 14, 4. Emoniseli zomi na mine, nzela ya mine. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ezaliba oyo ba miyesi mindona basite. Car ils sont vierges. Zambi bango bazali bangondo. Ils suivent l'agneau. Bango bazali kobi la mwana na mpate. Partout où il va. Ebi pa nyonso ye akokenda. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. Bango basikola makikati na bato. Comme des prémices locola bambuma na liboso pona nzambe et pour l'agneau pe pona mwana mpate et dans leur bouche pe na monoko na bango c'est point trouver de mensonge lokuta ekuta mite car ils sont irréprochables pointe bango bazali na pamela ta mon côté. Ce sont des gerbes agitées. Bango bazali bambuma na liboso oyo eningi sami. Les prémices de Dieu. Bazali mbuma na liboso mpona nzambe. Et tout le monde peut voir ça. Pe batonyoso bakoki komona yango. Quelqu'un peut dire amen à cette parole. Amen. Maintenant au temps de la fin. Sikoyo na tango ya suka. Il y a un peuple.
Ezalina libota moko. Il y a un messager. Ezalina motinda mi moko. Son nom est William Marion Branham. Kombo na ezali William Marion Branham. Selon Malachi 4. Koko kanana Malachi amine. Et Luc 17, 30. Na Luca zomi na sambo. Et Apocalypse 17. Na emoni seli zomi sambo. Doit nous apporter un message parfait. Ye atinami comme melabiso sangomoko yamala mube. Donc cette parole parfaite que le prophète du temps de la fin va prêcher. Liloba yamala mube wana omo sakolia elekonasuka koteya. Qu'est-ce que ça va faire? Eloko nini yango ekosala? Ça va produire une épouse. Yango ekopota mwasi na libala. Une épouse parfaite. Moi si na libala ya malamu be. Une épouse qui n'a pas seulement la mécanique. Moi si na libala o azali kaka na sale lipamba te. Il a la mécanique et la dynamique. Azali na esaleli. Azali pe na nguya. Vous êtes avec moi? C'est vous. Ezali bino. C'est nous. Ezali biso. Vous aimez cela? Est-ce que vous lingi yango? Et les gens seront étonnés. Pe bato bakoka moi. De voir les œuvres que vous ferez. Na komona misalo bino bokosala. Parce que vous êtes engendrés par la parole. Po bino bobotami na liloba. Une parole parfaite. Liloba moko ya malamu be. Ouf. Parabe 92. Etena sangotuku libwana mibali. Levé du soleil. Kolamuka na moyi. Il dit et nous sommes conscients. Abipe tozali na koyeba ngo malamu. Qu'il doit de nouveau être agité de côté et d'autre. Ete a sengeli koningi samali susunga momoko na mosusu. Au dernier jour selon Luc 17 30. Na mikona suka ko kana Luka zomi na sangotuku misato. Au jour du fils na mikolo ya mwana de nouveau lisus au jour de frère madame Messa en anglais son le fils de l'homme na mikolo ya mwana na moto le fils de l'homme sera révélé mwana na moto akomoni sama ou de nouveau agité to akoningi sama lisusu de côté et d'autre ngambo moko benga momo susu au-dessus des gens. Likolo na bato. Dans ces derniers temps, na ba elekona sukoyo. Selon Luc 17:30. Kokana Luka zomi na samoto kulesa. Le fils de l'homme. Mwana na moto. Sera agité. Akoningi sama. Et qui l'a fait? Nani asali yango? C'est William Marion Branham. Ezali William Marion Branham. Sa vie était exactement comme la vie de Jésus. Bomo inaye zala ki penza lokwa bomo inaye. Le miracle, makamu ici, le prodige, misala minene, qui dépasse tout entendement. Oyo, et si lisa ki maele na bato. Il a manifesté le fils de l'homme. Ye amoni saki mwana na moto. Selon Luc 17, 30. Koko kanana Luka zomi na sambotuku misato. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a bonele? Continuons. Tokoba. Paragraphe 93. Qui donc est le fils de l'homme? Nani naboye yende moi na moto. Au commencement était la parole. Na ebandeli ezala kili. Et la parole était avec Dieu. Pe lilobezaki longo na Nzambe. Et la parole était Dieu. Pe lilobezalaki Nzambe. Et la parole a été faite chair. Pe liloba ekomaki nzoto. Et habite parmi nous. E fanda kikat na biso. Si donc avec tout l'enseignement que nous avons avec la confirmation de Dieu. Ce qui n'a boyé, na malaki sinyo soto zali na yango, na botato la minyoso ya Nzambe. Par la parole de Dieu, na liloba na Nzambe. Par des signes, na bilembo. Par des prodiges, na misala minene. Que nous voyons aujourd'hui, oto zali komona lelo, dans le livre de Luc ici. Na buku na Luca awa. Luc 17 verset 30. Luca zomi na sambo.
Tukumisatu. Et Malachi 4. Pe Malachi yamine. Et beaucoup de passages de l'Écriture que nous connaissons. Pe biten na sango ebele obisoto ye. Que cette parole de nouveau, elle est agitée de côté d'autre. Kota lisante lilobo yo. La parole est agitée comment? Il y a un homme qui prêche la parole. Et la parole est agitée. De côté et d'autre. Au-dessus des gens, certainement. Certainement les gens de son époque. On parle clairement de Frère Branham. Pour montrer que les traditions sont mortes. Amen. Que le Fils de Dieu est de nouveau vivant. Et moi, Nanzambe, Azali, les sous soubobele na bomoy. Par le baptême du Saint-Esprit. Nanzela ali batisa na moli mosan. Il dit ici même parmi nous. Alobi awa penza kati na biso. Et il nous donne la vie. Pe Azali kope sa biso bomoy. Ici. Pe awa. Il parle le messager William Marion Branham. Azolo banati na motin dami William Marion Branham. La parole que le messager prêche. Liloba motin dami atei. Avec tous les miracles que le peuple voit, il est agité au-dessus des gens qui sont à son époque. C'était le paragraphe 93. Épouse, moi si na libala. Épouse, écoutez, moi si na libala boyoka. Il a été le premier de ceux qui s'étaient endormis. Jésus, Yesu. Nous, c'est comme si on n'existait pas. Biso, ezalokwa netete tozala kite. L'époux, moi si na libana. Provenant de Christ. Oyo abimi na Kristo. Détaché de l'Église. Oyo a longolami atiami libana n'Ecclesia. Une gerbe. Mbuma na liboso. Devra de nouveau être agité. Eko sengela ete eningisama lisusu. De côté et d'autre. Ngambo moko na mosusu. Dans ces derniers jours. Na mikolo na suka oyo. Ici, il parle pas de Frère Branham. Awa azolo mpona ndeko Branham ete. Il parle de vous, épouse qui croyez au message de Frère Branham. Azolo banatina bino mosi na libalo bozali konimela sango na ndeko Branham. Vous devez croire à ce message. Esengeli bondi mela sango oyo. Ce message doit devenir cher en vous. Sango esengeli kokoma nzoto kati na bino. Vous devez devenir miraculeux. Esengeli et de cette manière-là, la parole sera agitée. Alléluia. Amen. L'épouse sera agitée. Moi si na libala akoningisama. Est-ce que c'est clair? Est-ce que zali polele? Paragraphe 96. Etena sango tukuli bana motoba. Il dit ceci. Alobi boye. Alléluia. Amen. Je suis sûr que vous comprenez de quoi je parle. Oui, William Branham, nous comprenons. Elle était agitée de côté d'autre, au-dessus des gens. Pour la première fois, qu'il y aura pour l'âge de l'épouse. Bonambana liboso oyo ekoyampona elekona mwasi na libala. Ça sera un message. Ekoza la sango moko. Disons que la pleine maturité de la parole est revenue de nouveau. Kolobete litondi na liloba ezongi lisusu. Alléluia. Amen. Dans l'épouse. Na kati na mwasi na libala. Avec sa pleine puissance. Na litondi na nguya na yango. Et il sera agité au-dessus des gens. Ekoningisama likolo na bato. Qu'est-ce qui sera agité? Nini ekoningisama? Par les mêmes signes. Na bile monenge moko. Par les mêmes prodiges. Na misala minene ya ndenge moko. Lui Jésus avait accompli. Oyo ye Yesu asalaka. À son époque. Na eleko na ye. Mes frères, c'est clair. Bande konangeza polele.
Mes soeurs, c'est clair. Bande konanga basi ezapolele. Il n'y a rien à dire. Eloko ya kobaki zezalite. Oh, nous avons la mécanique. Salikate. Oh, tozana esalili. Mokamana mine. Nous avons la mécanique. Tozana esalili. Pas de dynamique. Mais l'ototo na moto ezate. Il parle d'autres églises qui n'ont que la parole. Azolo banatina beklezo batakana liloba 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 liloba. Sans dynamique. Nguye zate. Il faut la puissance. Esengeli na nguya. Il faut la dynamique de Dieu. Esengeli na moto na nzambe. Il faut la puissance de la résurrection de Jésus. Esengeli na nguya na lisekwa na Yesu. Sur l'église. Likolo na ecclesia. Pour manifester. Pour na komonisa. Jésus. Yesu. Pour accomplir. Pour na kokokisa. Montrer. Kotalisa. Que ceci est de l'essence. Ete oyo ezali penza essence. Ça pourrait être un bidon d'essence. Eko yiko za bidon essence. Ça pourrait quand même être de l'or. Eko za la pemaï. Voyez-vous. Omoni. Mais la seule preuve. Kasi ndanga pobele moko ezali. C'est de lui appliquer cette vie. Ezali ete o kamatabo moyoyo. Et ça prouvera que c'est de l'essence. 141 épouses encore. Frère Banam tape des coups à la chaise. Alors il crie Alléluia! Agangabi Alléluia! 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 Il était sous l'onction. Atake na sepa kolami. Il y a une église prédestinée. Ezali na eklesia moko. Oye bongisa mauta liboso. Désigné d'avance. Oye pona mauta liboso. Il le savait. Aiba kiango. Il a des fils et des filles de Dieu. Azana bana mibali beba na basi na nzambe. À une époque. Na elekomoko. Qui attend quelque part. Et quand le Saint-Esprit se met à voler au-dessus d'eux. Cette église, Ecclesia wana, cette gerbe est agitée. Buma wana eningisami. Acclamez le Seigneur. Bete lankolo maboko. C'est clair, mon frère. Ezali polele bandeko nangai. Au paragraphe 331. Attendez seulement que le Fils se lève. Et témoigne à la mouka. Nous verrons Tokomona ce que nous sommes. Il est la parole. Ye azali loba. Attendez de voir la parole manifestée. En vous. Nakati na bino. Alléluia. Amen. Brillez. Bon genga. Ça va briller sur la semence. Et kongenga li kolona milona to momboto. La gerbe agitée. Mbuma na liboso oyengisami. Nous verrons. Tokomona où nous sommes. Esika biso tozali. Nous saurons. Tokoyeba où nous sommes. Esika biso tozali. Vous savez où vous êtes maintenant? Boyebi esika boza sikoyo. L'aimez-vous? Est-ce que bolingi eh? C'est un peu plus clair maintenant. Ezalimo polele sikoyo. Oh Jésus. Oh Yesu. C'est dans la prédication, c'est le lever du soleil. Ezanalite ya oyo ezakola mukana moyo. Paragraphe 337. Edena sango kamamisa to dokumisa na sambo. Il dit repentez-vous. Alobi bobongo la motema. Chacun de vous. Moko na moko na bino. Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Ona bolimbisi na masumu na bino. Vous allez le faire. Boko sala yango. Abandonnez le péché. Botika masumu. Abandonnez vos fautes. Botika mabunga na bino. Et vous recevrez la gerbe. Nde boko zwa mbuma na liboso. Vous deviendrez la gerbe. Nde okokoma mbuma na liboso. L'offrande agitée. Mbeka oyo eningisami. Vous. Yo. Vous recevrez la dynamique. Okozwanguya. Le Saint-Esprit. Okozwamolimo Santo. Car la promesse est pour vous. Pwete elakezali mpona bino. Et pour tout cela. Mpona ba onyonso wana. Pour toutes les générations. Mpona bile konyonso. Elle subsistera. Ekoumela.
Si vous avez compris, dites amen. Soki ososoni loba amen. Je m'arrête là. Nasukeliwana. Remercions Dieu. Toi, coton Nzambe. Nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour chacun de nous dans cette année 2017. Tolomi merci Nzambe. Ça fait du bien. Nombre de baptisés. Bien-aimé, honorable Jesse Ben, vous avez pris aussi ceux qui étaient baptisés hier. Molingami, j'espère bien est-ce que Obaki Sakipe, Boy Bazoa qui débat Silobi, elle est qui? Oui. Io. Nombre de personnes baptisées cette année 2310. Motang on a bato bazuli bat ici Nambula Oyo. Ka kotomi balé kamamisato nazomi. Acclamez le Seigneur pour ça. Bete l'encolo Yesu Christ Maboko. bébés consacrés au Seigneur. Ba bébé oyo ba pambo makina mobu oyo 523. Kama mitano tukumi bale na misato. 105 mariages. Mabala oyo e pambo makiawa mokama na mitano. La maison de don ndako na makabo. Ils ont consulté pour 1174 personnes. Bayambaki Bamika 174 Kotomoko Mukama natukusa monamine. Wow. Et votre pasteur Baruti Pe mokenga nabino Baruti. Seulement cette année Kaka na mbulo yomoko 11 sorti as les campagnes. Asali ba campagne zomi na moko. Campagne de Kasangulu. Tozui campagne oya Kasangulu. Campagne de Mbandaka. Tozui campagne ya Mbandaka. Campagne de Boma. Tozui campagne ya Boma. Campagne de Mwanda. Tozui campagne ya Mwanda. Campagne de Kikwit. Tozui campagne ya Kikwit. Campagne d'Angola, Kabinda. Obakisi campagne d'Angola na Kabinda. Campagne de Matadi. Campagne à Matadi. Ça sera plus. Et campagne de Mwanda. Na campagne à Mwanda lisusu. Ce qui t'obakisi. Tu as mis ça ensemble. Tosangisa ki yango misato. Campagne de Kwilungongo. Campagne ya Kwilungongo. Campagne de Dallas. Campagne ya Dallas. Aux États-Unis. Na États-Unis. Campagne de Denver. Campagne à Denver. Aux États-Unis. Na États-Unis. Campagne de Hanover. Campagne à Hanover. En Allemagne. Na Allemagne. Campagne de Stockholm. En Suède. Campagne à Stockholm, na Suède. Acclamez très fort le Seigneur. Bete l'encolo, ma boku makasi. Je suis allé deux fois. À Montréal, à Dallas et à Charlotte. Nabimi Balami Balé, Kokenda, Montréal, Dallas, Pena Charlotte. C'est pour cela j'ai besoin de vos prières. Yangwana Nazana Bosenga, Yamabonde Nabino. Avec l'âge, na Mbulao na Komina Yango. Cette année, j'ai beaucoup, alors beaucoup travaillé. Mbula Oyo, Nasali Mosala Mingi.
C'était vos prières qui m'avaient soutenu. Acclamez le Seigneur Jésus. Bobete l'ankolo Yesu Christo maboko. Cette année, Mobu Oyo, qui vient 2018, Mobu Yakoto Mibale Nazomi na Mwambe. Je la proclame année de paix. Natato Liango, Mobu Yakimia. De perfection. Pe Yakobonga pe. Laissez simplement vos faiblesses dans la main de Dieu, du Créateur. Kamata bobele bolembu na yo. Tia yango na loboko na mokeli na yo. Je suis sûr. Il enlèvera cela. Na yebi malamu ete ye akolongola yango. Je commence à donner mes vestes aux gens. Na bandi kopesa ba costume na ngai pa ya bato. Et ba kende kende yango e pa ya comment on appelle ça? Ba kamono mesure. Ce sont les tailleurs. Je crois que vous connaissez les bacs à mon mesure. Et allez vers le tailleur qui s'appelle Jésus. Il connaît vraiment ta mesure. Yango, il va te modeler. Na lobi na yo, okende pa ina tailleur oyo, aibi kosona malamu. Komo na ye Yesu. Akosona yo, na ndenge moko ya malamu penza. Na lolenge na yo. Et cette année, vous serez un chrétien agité. Vous serez la gerbe agitée. Amen. Amen. Frère Branham avait béni le 31-12-60, son église en disant ceci. Avant d'entrer en 1961. Apocalypse. Ah oui, j'ai laissé ça. La voix de l'aigle publication. Na bosana kiango, la voix de l'aigle publication. C'est une grande bénédiction pour cette année. Ezali pa moli monene mpona mobu moyi. Acclamez très fort pour eux. Beta maboko makasi mpona bango. Il a publié 26 titres. Babimisi ba titre ya publication Tukumi Balé na Motoba. Et 22 sermons du prophète. Pe en français. Matéa na Mosako le Tukumi Balé na Mibale na Lopoto. 3 sermons en portugais. Matéa Misato na Mokona portugais. Et un livre du pasteur Baruti Kasongo sur le Fils de l'homme. Mokana Moko ya Mokengri Baruti Kasongo likolo na Mwana yango na moto. Acclamez très fort. Beta maboko makasi. C'est une année bénie. Oyo ezali mbula moko penza oye pa mwa maki. Qui a été béni cette année 2017? Levez-vous. Nani a pa mbula maki na mobu yo kote ibale na zomi na sambo. Telema. Levez-vous. Telema. Waouh. Solo. Oh. Solo. Il y a une personne qui m'a vu hier. Ezali na moto moko moninga ilobi
Pasteur, moi je suis béni aujourd'hui. Ngai n'a pas moi mis les loyaux. Il m'a apporté sa dîme. Il dit, je disais à Dieu, je dois te bénir, je dois te bénir. Abi n'a pas d'accord, mais dans un bête, et c'est n'a pas moi, c'est n'a pas moi. Et il était béni. Il a vendu quelque chose de grand. Alors qu'il vendait ça depuis des années et des années et des années. Ça ne s'achetait pas. Acclamez le Seigneur Jésus. Asseyez-vous s'il vous plaît. Frère Branham, dans Apocalypse chapitre 4, dit. Ndeko Branham na emoniseli mokapo ya mine. L'Éternel na ye alobi boye. Je souhaite, le verset 15. Je souhaite à chacun de vous la nouvelle année la plus réussie. Voyez, c'est là comme si c'est moi qui parlais à mes frères et sœurs. De Barouti Tabernacle. Je souhaite à chacun de vous la nouvelle année la plus réussie. Et la plus bénie. Et la meilleure santé. Que je puisse souhaiter donc la meilleure santé. Je souhaite que Dieu soit avec vous. Puissiez-vous croître à la fois physiquement, spirituellement, financièrement et matériellement. Que tout ce que Dieu peut vous apporter, je prie qu'il le fasse. Levez-vous, nous allons lire Deutéronome 28. Botele matokotanga, Deutéronome, okapoya tuku mibalena mwambe. Vous savez comment on fait, on lit ensemble. Voyez, le diable doit être fâché. Mais ma taille. Oh, c'est pas notre problème. Jésus est plus fort que lui. Yes, allez, qui est ma casse. Et nous sommes de Jésus. Baby, sont aux alibas, Yesu. Nous allons toujours le vaincre. Bisoto kolonga yeta ngonyonso. Vous savez comment on fait? Oui, mais n'engue tout ça là. Moi, je commence le premier verset et vous le deuxième. Bino ami Bali. Jusqu'à 14. 14e verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs.
les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros bétail et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son grand trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Acclamez le Seigneur Jésus. Béte l'encolo Yesu Maboko. Je veux prier. Nakosa la libondeli. Ouf. Dieu notre Père céleste. Nzambe tata na biso na likolo. Nous sommes arrivés à la fin de ce réveillon. Tokomi na suka na butu na mabondeli oyo. Ya la fin de l'année suka mbula 2017. Mobuko toyibale na zomi na sambo. Rentre avec ton peuple. Zonga elongo na bato na yo. Que je n'entende pas qu'il y a eu un accident. Nayo kate etelika mamoko ezwamaki na nzela. Que tes anges les accompagnent jusque dans leurs maisons respectives. Banje nayo bakamba bango kino na ndako ya moko na moko na bango. Oh Dieu, oh Nzambe, bénis-les tous. Pambola bango banso. Qui puisse atteindre la perfection. Bako manako bongabe. Qui puisse aimer leurs femmes. Balinga basi na bango. Qui puisse aimer leurs enfants. Balinga bana na bango. Qui puisse aimer leur mari. Balinga babali na bango. Qui puisse s'aimer comme frères et sœurs dans cette église. Balinga na lokwa bandeko. Babali bebasi ya kati ya losambo. Et toute la gloire te reviendra. Kembo nyonso kozonga pai na yo. Merci pour cette église, Seigneur. Toton dio pona losambo yo kolo. Je ne mérite pas cela. Nabongi na yangote. Mais je te dis merci. Kasi na lobi na yo merci. Tu m'as donné des personnes qui croient dans mon ministère. Opesinga ibato bazali kondimela mosala nga kote ya.
Encore une fois, Seigneur. Mbala moko lisusu nkolo. Bénis-les. Pambola bango. Parce qu'il est écrit. Celui qui reçoit un serviteur de Dieu, la qualité de serviteur de Dieu, sera béni par le serviteur de Dieu. Qu'il soit béni cette année 2018. Et qu'il soit en bonne santé. Bonne santé spirituelle. Et bonne santé physique. J'ai ainsi prié, Seigneur. Bénis leurs affaires. Qui deviennent des millionnaires. Parce que tu es Dieu. Oui, tu es capable de faire cela. Tu es Dieu. Et tu les aimes. C'est ton peuple. Tes enfants. Et j'ai ainsi prié. Au nom de notre Seigneur et Maître. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.